Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Chef Rajisa, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah, chers abonnés, chers frères musulmans, chers sœurs musulmanes, nous sommes très heureux de nous revoir aujourd'hui pour un nouveau secret. Alors, le secret que nous allons partager ensemble aujourd'hui est un secret de l'exaucement. C'est-à-dire, si vous avez des projets ou bien si vous avez des vœux que vous voulez que ça soit exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala le plus rapidement possible, vous pouvez utiliser ce secret-là qui est très très rapide et testé plusieurs fois et approuvé. Le secret-là est un secret du petit verset Kun Fayakun. Comme Allah le dit souvent dans le Saint-Coran à près de 8 reprises, si je ne me trompe pas, dans le Coran, il y a au moins le mot Kun Fayakun dans le Coran au moins 8 fois. Alors, le plus connu de ces versets, c'est Inama Amruhu Izada Shayan Yakulallahu Kun Fayakun, qui est le verset 82 de la sourate Yassine. Alors, ce mot Kun Fayakun là, son poids mystique, c'est 236. 236 qui est le poids mystique de Kun Fayakun. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler avec ce poids mystique là pour la résolution de tous vos problèmes, tous vos vœux que vous voulez que ça soit exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien avant de commencer ce secret, nous vous disons toujours merci. Abonnez-vous, partagez les vidéos et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que nous allons faire prochainement. Alors, pour commencer ce secret, il faut d'abord faire des écritures toujours. Alors, les écritures que vous faites, ce n'est pas pour, c'est juste pour vous protéger et pour attirer le bien vers vous plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire? Vous allez devoir écrire Bismillahirrahmanirrahim 236 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa salim 236 fois. Ensuite, Ya Kun Fayakun 236 fois. Et la Sourate Al-Fatiha 236 fois également. Ensuite, vous allez réunir tout ça en ainsi et vous allez ajouter le katim qu'on va voir à la fin de la vidéo toujours une seule fois avec à l'intérieur le vœu que vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala exauce pour vous. Si c'est une maison, vous voulez avoir une maison, vous mettez là-bas qu'Allah me donne une maison. Alors l'ainsi, vous allez en boire et vous lavez, vous frottez tout le corps avec pendant le zikr. Alors, bien avant de commencer le zikr, vous allez vous frotter tout le corps. Je dis bien tout le corps, sauf les parties intimes. Et vous allez commencer maintenant le zikr. Vous allez faire Bismillahirrahmanirrahim. Vous allez d'abord faire Astaghfirullah 100 fois. Ensuite, la Salat à la Nabi, de préférence pour moi toujours, Salat al-Fatih, car Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, il dit que tout ce que vous avez entendu sur la Salat al-Fatih et tout ce qui est caché est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça veut dire que tout ce que nous avons appris sur la Salat al-Fatih jusqu'à aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui est toujours caché. Alors vous faites la Salat al-Fatih 100 fois, ensuite Bismillahirrahmanirrahim 236 fois, la salat à la Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa salim, 236 fois. Ensuite, Ya Kun Fayakun, 236 fois. Et la Surat al-Fatiha, 236 fois également. Et vous répétez ce processus-là pendant une semaine et c'est fini. Le Katim également, vous devez l'écrire sur un bout de papier et le mettre sur vous. Soit vous mettez ça sur votre tapis, ou bien vous le mettez sur votre chapelet, ou bien vous mettez ça dans votre poche. Et vous faites le zik chaque soir pendant 7 jours. Inch'Allah, 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 vos vœux seront exaucés. Tous les vœux que vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala seront exaucés. Alors,
Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo, mais n'oubliez toujours pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos prochaines. Et vraiment partagez les vidéos dans les groupes, partagez les vidéos dans le monde entier pour que nos frères qui sont dans le besoin puissent en bénéficier, Inch'Allah. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.